Il y a beaucoup de personnes qui ont une vision très négative du marketing. Selon moi, c'est une vision qui est assez réductrice, mais je comprends pourquoi. C'est vrai que le marketing, traditionnellement, c'est stimulé par les ventes, la recherche de profit. Ça peut mener, dans certains cas, à de la surconsommation. Mais est-ce que vous saviez que le marketing peut aussi être utilisé dans un contexte qui est pas lucratif? Vous avez déjà probablement vu des campagnes publicitaires qui visaient d'arrêter de fumer, dans le temps, de facto, on faisait beaucoup, de diminuer la consommation d'alcool, de pas texter au volant. Bien sûr, on appelle ça du marketing social. C'est lorsqu'on utilise les stratégies traditionnelles de marketing pour changer un comportement qui mènera pas à une vente. Dans le livre Up and Out of Poverty, les auteurs illustrent comment les stratégies de marketing peuvent influencer les gens à sortir de la pauvreté. C'est vraiment intéressant de voir comment les outils marketing traditionnels peuvent aider les communautés plus défavorisées à adopter des comportements qui vont favoriser l'émancipation économique. Donc le marketing, c'est pas nécessairement bon ou mauvais, ça dépend uniquement de l'usage qu'on en fait. Est-ce que je vous ai fait changer d'avis sur le marketing?